Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft d'un tuto d'une petite maison moderne. J'espère que celle-ci va vous plaire, vous avez vu les images précédemment de cette maison. Et on va commencer sans plus tarder le tuto. Donc pour le tuto, vous allez avoir besoin de béton blanc, de béton gris, de vitres teintées en noir, de feuilles tropicales, d'escaliers en quartz et d'une porte en bouleau. On va commencer directement avec le béton blanc. Et donc vous allez vous mettre à un endroit dans la map, enfin où vous voulez, dans votre ville par exemple, et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Puis vous venez dans l'autre sens, et là vous allez rajouter 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis là vous refermez de cette manière, hop, et là également. Voilà. Puis vous pourrez remonter tout cela d'un étage. Donc hop, de cette manière. Et là également. Donc on monte en tout le béton blanc de deux niveaux. Voilà. Puis vous pouvez tout refermer ici pour avoir le sol de la maison. Hop hop hop, vous refermez tout. Voilà, et là également. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir sur le côté droit de la maison. Enfin, on va se mettre de ce côté-ci. Vous venez du côté droit de votre maison, ok? Et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, sur encore deux niveaux. Donc hop, et hop. Pour avoir ici 1, 2 et 3 de hauteur à ce niveau-ci. Puis ici, vous pouvez refermer tout de béton blanc jusque l'autre côté de la maison. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez le béton gris. Et vous allez venir juste ici. Vous allez faire 1, 2 et 3 d'écart à ce niveau-ci. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et vous faites pareil ici avec 1, 2 blocs d'écart. Et vous faites le même, vous montez de 6 en hauteur. Puis juste ici, vous allez faire ça de cette manière. Et là, vous allez refermer hop, jusque la fin du toit de l'autre côté. Hop, et vous allez faire pareil de ce côté-ci. Donc hop, hop, hop. Et ici également. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir prendre les feuilles tropicales. Et vous allez en mettre à partir de ce bloc-ci, ici. Vous allez en mettre tout autour de la maison, de cette manière. Voilà. Vous faites ça de cette manière et à cet endroit-ci, vous allez mettre des escaliers en quartz là et là. Puis le béton noir, enfin vous reprenez le béton gris, vous venez juste ici, vous allez faire deux trous ici et monter 2-3 blocs de cette manière et pareil pour ici. Voilà. Une fois que cela est fait, vous pouvez prendre les vitres teintées en noir et en mettre ici pour faire les vitres. Et vous faites ça sur les deux niveaux pour avoir des grandes baies vitrées comme ici. Pareil pour le derrière. Hop. Et voilà. Donc quand on se retrouve ici, vous voyez que la maison est terminée. On n'a plus qu'à mettre les portes en bouleau, toujours comme ici pour avoir, hop, ici les deux portes comme ici. Et ça rend vraiment sympa. Donc vous pouvez voir, quand vous rentrez dans la maison, vous entrez, vous avez ici votre petite maison. Et d'ailleurs, je vais faire d'ailleurs même l'intérieur avec vous. Donc pour l'intérieur, on va faire un truc sympa. On va faire juste ici un petit coin pour manger. Donc à ce niveau-ci, vous prenez les escaliers en quartz, vous laissez un bloc là, un bloc là.
et vous faites une petite table ici. Puis vous prenez les barrières en bouleau, enfin une barrière en bouleau, vous la mettez de cette manière avec par exemple une trappe en bois dessus, voilà comme ça. Ça vous fait une petite table très sympa. Ensuite, vous allez pouvoir prendre deux lits. Vous prenez ceux de n'importe quelle couleur, moi je vais prendre les gris. Et vous allez pouvoir en mettre à ce niveau ici. Non, pas là. Toulou, je pourrais faire, voilà, ici vous allez vous mettre dans le coin ici, vous allez faire, voilà, deux lits comme ça. Ou même, je dirais, comme ça, ça peut être mieux. Comme ça, on peut avoir une garde-robe, enfin, une table de nuit de chaque côté. Donc, vous pouvez faire, par exemple, un escalier en quartz comme ça et un comme ça. Là, vous prenez une trappe en bois que vous mettez de cette manière. Et là également, pour avoir une table de nuit, vous prenez, hop, du tapis. Donc là, je vais prendre un tapis gris clair. Et vous pouvez en mettre par-dessus ici, pour avoir deux tables de nuit. Donc là, vous avez la petite chambre qui est faite. Ici, vous allez pouvoir mettre une petite garde-robe comme ça, voilà. C'est très sympa. Vous pouvez d'ailleurs, hop, ici la fermer si c'est possible. Voilà, de cette manière, ça vous fait une petite garde-robe très sympa. Et ensuite, ce que l'on va pouvoir faire, c'est mettre juste ici à l'entrée un petit tapis pour garnir un peu la maison. Voilà, comme ça. Et là, votre maison est faite. Après, vous pouvez rajouter, par exemple, un four pour faire votre petite cuisine. Ou alors des coffres, par exemple, juste ici. Vous mettez deux coffres comme ça pour faire la petite chambre à ce niveau-ci. Et vous pouvez aussi faire la cuisine. Donc la cuisine, par exemple, en mettant, voilà, deux escaliers en quartz comme ça. Et là, par exemple, vous prenez un four et un établi. Voilà, comme ici, hop, et hop. Et ça vous fait votre petite cuisine à ce niveau-ci. Vous pouvez même prendre des tapis gris clair pour en mettre comme ça par au-dessus pour rendre un aspect plus sympa. Et là, d'ailleurs, vous pouvez enlever ces deux tapis-là. Et peut-être les mettre de cette manière, ça peut être plus sympa. Donc voilà, donc là, on a terminé également l'intérieur, hop. On va voir ce que ça donne, vu de l'extérieur, notre petite maison. Et moi je trouve que là c'est vraiment sympa, hein. Donc l'intérieur est fait également, vous pouvez remarquer. Ça donne vraiment un aspect sympa. Et je trouve que cette maison elle est vraiment sympathique. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis impatient d'avoir vos avis sur cette maison, c'était Cardex. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains tutos. Salut à tous!